Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur un petit palais. Oui carrément, sur un petit palais sur Minecraft, tout en sandstone et en bois, donc dans un style un peu arabe apparemment, puisque c'est une reproduction d'un bâtiment que j'ai vu sur une photo. Je vous fais un petit peu le tour et vous voyez que bah, c'est grave stylé en tout cas je trouve. Voilà, je te fais vraiment le tour et c'est une maison qui m'a beaucoup intéressé. J'ai fait très très vite cette maison là et malgré tout bah ça se fait tout à fait bien, tu vois, avec les palmiers devant, la piscine et tout. Honnêtement, voilà, ça c'est je trouve très très intéressant avec une espèce de mélange sandstone et bois comme ça. Vous voyez, avec un espace à l'intérieur qui est assez balèze, des escaliers au niveau de la façade. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc un gros palais cette fois-ci. Voilà, grosse maison, petit palais, grosse maison. Voilà, et ça fait stylé, malgré tout, avec des matériaux qui sont assez faciles à trouver. Alors, pour ceux qui connaissent, enfin qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, sachez qu'on fait plein de maisons comme ça, de ce style-là. Par exemple, la dernière fois, on avait fait une villa italienne, qui est celle-ci, sur la chaîne en tutoriel, et puis on en fait plein d'autres. On fait plein d'autres choses aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on va commencer la construction de cette... voilà, comme on pourrait dire ça, de ce petit château. De ce petit château, du coup, de ce petit palais, ici, là, et je vais vous donner les dimensions au niveau du sol à respecter. Alors, on va commencer avec de la position, enfin de la sandstone. On va utiliser du grès poli, vous voyez, donc du grès comme ça, hein. Et on va commencer par faire une espèce de grand rectangle au sol qui va faire 10 blocs sur la longueur ici, ok, sur 20 blocs de long. D'accord, donc 10 par 20 par 10 par 20, etc. On va là-bas, on va en façade du coup du bâtiment, là c'est la façade, hein. On laisse 3 blocs sur ce côté-là, d'accord. Au quatrième bloc, on fait une ligne comme ça de grès sur 19 blocs de long, d'accord. Pas 20, hein, parce qu'il faut vraiment 19. Et on refait exactement le même carré de l'autre côté, c'est-à-dire avec 3 blocs sur le côté ici, plus 10 blocs sur la largeur, 10 blocs sur la longueur, etc. etc. Ok. Donc on a ça là-bas, cette ligne-là, ça ici. On laisse du coup, on compte plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Et à partir du 8ème bloc, du coup, on retrace un mur qui va tout jusqu'au bout. D'accord. Donc pour l'instant, on a ça. Et du coup, on va venir dans le coin ici, tu vois, de notre maison qu'on a fait à la jonction de ces deux murs-là. On va compter 1, 2, 3 blocs sur la longueur et 1, 2, 3 blocs ici. Et tu vois, donc on va mettre un bloc juste à ce niveau-là sur la diagonale. Donc avec 3 blocs ici, tu vois, et 3 blocs ici d'espacement. Et après, on va laisser des rangs de 3 blocs ici, tu vois, entre chaque pilier, puisque les blocs que j'ai laissés comme ça, individuellement, ce sont des piliers. Et donc voilà, on laisse 3 blocs de marge à chaque fois, ok. Et de ce côté-là, du coup, on va mettre tout un tas de piliers ici aussi. On va les laisser, eux aussi, à 3 blocs de marge par rapport au mur là. Et on va compter donc 1, 2, 3, 4 blocs à ce niveau-là. À partir du 5ème bloc, on laisse 3 blocs de marge et on met notre premier pilier. Et on met en tout 6 piliers ici, comme ça, espacés de 1 bloc de largeur. Et normalement, du coup, entre ce pilier-là et ce pilier-là, il y a 5 blocs, okay, d'espace. Donc, il y a 5 blocs d'espace ici avant le premier bloc à ce niveau-là, ok. Et il y en a 4 ici. Donc voilà, normalement, on a notre pattern au niveau du sol, comme ça. Alors, une fois qu'on a ça, on va tout de suite monter les murs, hein, à hauteur. Cette partie-là, ainsi que cette partie centrale, vont être à 10 blocs de hauteur, et la partie sur le côté ici va être à 15 blocs de hauteur. Chaque étage va faire 5 blocs de haut, comme à chaque fois. Et du coup, on va faire ça comme ça. Donc là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc avec 2, 3, 4, 5, un étage à ce niveau-là, ok, après. La même chose ici, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, partout ici, et là-bas on va mettre à 15 blocs de hauteur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Et donc vous avez la hauteur des murs qu'il va falloir combler sur tout leur pourtour. Une fois qu'on a ça, du coup, on va mettre les étages au niveau du sol et au niveau bah, des étages, hein, tout simplement. Alors, on va compter combien de blocs d'ailleurs au niveau du sol, je m'en rappelle plus. On va compter, d'accord, on va être aligné par ces piliers-là, et on va compter
Raconter combien de blocs? 3, 4, 5, 6 blocs par devant la maison. Ok, très bien. Et de l'autre côté, on va laisser 3 blocs de marge. Ok. Donc, on va prendre les repères suivants. Vous allez sur votre maison ici, comme ça, prendre le coin ici. D'accord? On va prendre, voilà, le repère à bout de 3 blocs ici par devant la maison. Sur toute la ligne ici, jusqu'à s'aligner avec les piliers à ce niveau-là. Ok? En face. On va aller devant la maison et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs par devant du coup les murs à ce niveau-là, ok? Et l'idée c'est qu'on va venir faire un premier sol tout en grès du coup au niveau du sol. On va remplacer l'herbe par de la sandstone sur toute cette surface-là sur la maison. Ok, donc on fait la même chose du coup maintenant que ça au niveau du premier étage du deuxième étage du coup qu'il va y avoir. Donc l'idée c'est qu'on va venir à l'intérieur du bâtiment ici, on va quand même enlever les murs qu'il y a entre les différentes parties de la maison que j'ai fait du coup mais qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire. Hop, on va enlever les murs ici et on va faire hop les petites comment on appelle ça? On va enlever ça ici, hop. Ok, et une fois qu'on a ça, on va mettre les étages hein, du coup comme je disais. C'est-à-dire qu'on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs, et à partir du cinquième bloc de hauteur, on va tapisser toute la surface de la maison de grès. Alors, une fois qu'on a mis le sol ici comme ça, en fait, on va aussi le prolonger sur le devant, en fait, ici, vous voyez, de notre espèce de préau. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir monter les piliers, eux aussi, à 5 blocs de hauteur. 1, 2, 3, 4, 1, allez, hop. Hop, et on va remplir complètement voilà, la surface comme ça, hop, jusque-là, de sandstone, de grès plutôt, comme ça, pour avoir voilà, une terrasse au niveau de l'extérieur. Ok, donc un truc comme ça, hein, tout simplement. On va tout de suite mettre les trous dans les murs pour pouvoir avoir les fenêtres et les portes. Donc l'idée c'est qu'on va suivre tout simplement les piliers qu'on a mis en dessous. On va les placer là aussi sur notre mur qu'il y a sur cette longueur-là. C'est-à-dire que les trous entre les piliers, on va les reproduire aussi sur le mur ici. Donc on va faire des trous comme ça qui vont faire de 3 blocs de large sur 3 de haut. Hop, sur tout le long du mur. Hop, j'ai fini du coup. Hop, voilà. On va faire aussi du coup des trous sur les côtés à ce niveau-là pour avoir des ouvertures. Hop et hop, ok. Alors l'idée c'est que on va prolonger, comment dire, on va faire un étage, on va faire des étages supplémentaires. C'est-à-dire que ici tout le dessus de ce cadre-là, ok, on va le combler en sandstone. Et une fois qu'on a ça, on va aussi combler le dessus de cette partie-là de la maison. Mais avant, on va aussi mettre un autre étage parce qu'à l'intérieur de cette maison-là, de cette partie-là de la maison, il y a plusieurs étages aussi. Donc il va falloir les mettre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. On va mettre un autre étage à ce niveau-là. Ok. Et un autre étage, du coup, 5 blocs plus haut au niveau de la hauteur maximale, du coup. Ouais, alors du coup, j'aurais pas dû enlever cette ligne de blocs-là. Voilà, donc on remplit complètement la hauteur à partir de là et à partir de là aussi. Voilà à quoi ça ressemble, hein, du coup, un plafond et un sol. Alors, hop, j'ai fait un petit trou dans le mur quand même. On le mettra après des escaliers pour aller dans les maisons, évidemment, mais pour l'instant, on va vraiment finir la structure. Et la structure, on va en mettre une petite aussi, du coup, sur le toit de cette partie-là, puisque sur notre modèle, vous voyez, j'ai fait un petit, voilà, une petite maison encore au-dessus de la structure elle-même. Voilà, et ici, il y aura juste un toit tout plat avec une pergola, donc c'est sympa aussi, mais il y aura moins besoin de structure. Alors, on va aller sur cette partie-là de la maison et on va prendre le coin à ce niveau-là. Ok, on va compter 1, 2, 3, 4 sur le côté et 1 au centre. D'accord? Et à partir de là, on va aller sur l'autre côté de la maison en laissant juste un bloc sur la longueur ici. Ok, on compte maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs dans ce sens. D'accord? Comme ça. Puis on finit le carré, hein, tout simplement. Hop. Et hop. Et du coup, maintenant, on a nos murs qui sont prêts. On va mettre une petite cour, en fait, devant notre mur ici. Donc, on va partir de ce bloc-là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. La même chose de l'autre côté. Et puis, on relie les deux. Et voilà. Donc là, ça va être nos murs. Et là, ça va être une cour. Voilà, on va laisser ça comme ça.
Donc, on va monter ça à 5 blocs de hauteur, normalement, je crois. En tout cas, je pense que j'ai fait ça aussi comme ça. Hop, donc 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Hop, donc on fait ça aussi à 5 blocs de hauteur sur toute cette longueur-là, hein, évidemment. 2, 3, 4, 5. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, notre structure en quartz, enfin, qu'on a posé du coup en grès est presque terminée. Enfin, à mis à part les finitions, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on va venir prendre massivement des barrières de bois de sapin, donc des barrières de bois colorées. J'avais essayé aussi avec les bois de chêne noir, ça rend bien aussi. Vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre. Et ainsi que des demi-planches, donc des demi-blocs, comme ça, des dalles de bois de sapin. Ok? Et en fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va les mettre, hop, ici, là, les barrières, en tout cas, sur la longueur devant notre petite terrasse. Ok? L'idée, c'est que cette terrasse-là va être couverte et qu'on va faire des piliers en bois exactement dans l'alignement des autres piliers. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on est aligné avec les deux autres piliers. Et on va faire, hop, des piliers comme ça de 4 blocs de hauteur de bois. Hop, 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 sur toute la longueur du mur. En tout cas, voilà, il nous reste un à faire. Voilà. Une fois qu'on a mis nos piliers comme ça en bois, on va utiliser du coup du grès. Hop, du grès poli, hein, et on va venir remplacer une ligne sur tout le dessus des piliers comme ça. Ok, donc sur cette ligne-là. Hop. Voilà. Donc là, on a notre premier. Comment dire, voilà, notre ligne de bois qui est bien. On va utiliser du coup les dalles de sapin qu'on va mettre tout de suite parce que tant qu'à faire. Et on va les mettre dans l'alignement en fait de nos piliers ici. On va les mettre. Hop, ici comme ça pour faire des poutres en fait tout simplement. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ça fait sympa. Hop, hop, hop. Voilà. On va avoir un couloir un peu comme ça. Et ça fait très très sympa. Je vais te remontrer du coup sur le modèle que j'ai fait. Vraiment, je suis assez impressionné parce que ce modèle-là, je l'ai pondu. J'étais énervé. Je l'ai pondu en une demi-heure. Tout à la main, hein, quasiment. Et enfin bref, voilà. Regardez du coup le couloir que ça donne au final avec toutes les poutres alignées. Il y aura le toit qui va passer au-dessus. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Voyez comme endroit. Voilà, boum. Style arabe un peu, j'ai l'impression. C'est stylé. Alors, on va aller rajouter des dalles du coup en bois comme ça. Donc des dalles de bois. Et on va venir faire un toit qui va être très 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 peu penché finalement. On va faire des espèces de marches au niveau du toit qui vont être de deux blocs par deux blocs. C'est-à-dire qu'on va venir faire des toits qui vont avoir cette tronche là. Hop, deux blocs ici comme ça. Deux blocs par-dessus. Deux blocs ici, deux blocs là. De l'autre côté de la maison, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez cette forme de toit que j'ai mis là? Eh bien, elle va tout simplement se prolonger sur toute la longueur de notre partie centrale de maison ici, comme ça. Hein, exactement la même chose sur toute la longueur. Alors, voilà ce que ça donne, hein, tout simplement. Hop. Hop. Ça commence à prendre forme, notre histoire. C'est pas trop trop mal. Alors. On va venir prendre quand même notre grès et on va venir le mettre à l'intérieur de notre construction. C'est-à-dire que quand on va à l'intérieur de la maison, vous voyez que ici, là, au-dessus comment ça s'appelle, du mur, bah, y a un trou, encore une fois. Et donc, tiens, j'ai mis des dalles ici, il faudrait les enlever si vous en avez mis aussi. Et rajouter du coup une hauteur de mur pour que notre toit tienne bon. Alors, est-ce que j'ai le. Non, ok, c'est bon. Et donc voilà, on rajoute une petite ligne de blocs à ce niveau-là. Voilà, alors du coup, on va prolonger notre toit. Vous voyez qu'il va faire tout le tour en fait de notre structure centrale à ce niveau-là. Je vais vous montrer encore une fois sur notre petit modèle ce que ça donne. Quand on regarde de haut, en fait, vous voyez que notre toit ici se prolonge sur tout le contour de notre structure principale qui lui-même aura son toit aussi, évidemment. Voilà, donc il se prolonge sur tout l'entourage et de la même façon, c'est-à-dire qu'on va faire des espèces de marches de deux blocs par deux blocs. Et c'est pour ça du coup qu'on a laissé une marge de deux blocs ici à ce niveau-là, hein, c'est pas pour rien. Et donc sur toute cette marge-là, on va mettre des dalles en bois comme ça, hop, vous voyez. Allez. Et évidemment, par devant, on va aussi rajouter, on va prolonger cette partie-là de notre toit et on va venir la faire comme ça, hop. Voilà, je vous fais cette partie-là du toit et après il suffira de refaire la même chose de l'autre côté de la maison. Voilà, donc on prolonge tout simplement le toit comme ça, on fait tout le tour avec. Je vais vous montrer,
Ah voilà, donc vous prolongez, vous faites tout le tour. Voilà, hein. Tout bêtement, hein, on prolonge les formes du toit qu'on a laissées. Et du coup, on va finir vraiment notre petit toit avec cette partie-là de la maison, hein, la petite structure finale au niveau du toit. On n'a pas encore mis les escaliers, vous inquiétez pas, ça va venir après. Alors l'idée, c'est qu'on va tout simplement faire le toit le plus simple au monde sur cette partie-là, vraiment le plus simple, c'est-à-dire qu'on va venir poser des blocs comme ça, qui vont s'empiler les uns sur les autres, faire une sorte de pyramide, hein, de toit, tout simplement. Vous voyez, on pose des blocs comme ça. Puis après on monte d'un cran vers l'intérieur et on refait hop tout le long de la ligne, hop tout le long du contour tout simplement, voilà. Après on remonte de un cran vers l'intérieur et on fait tout le tour, etc, etc. Et normalement vous avez une petite pyramide de toit à la fin, voilà. Et évidemment on n'oublie pas de rajouter une petite ligne à ce niveau-là sur le côté des blocs pour avoir un petit relief dans la structure, enfin dans les murs tout simplement, entre le toit et le mur, ce qui donne un côté encore un peu plus sympa, vous voyez. Alors l'idée c'est qu'on va aller encore même un peu plus loin avec cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser le grès poli, qu'on va venir mettre des tours, hop, ici vous voyez, donc avec trois blocs de blocs en plus, et on va venir faire une pergola qui va s'appuyer sur les tours qu'on vient de faire. Oui, carrément. Alors, une pergola, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... Voilà. J'espère que j'ai été très clair. Alors, du coup, comment expliquer ça? C'est un truc comme j'avais fait là-bas. Une pergola, c'est un espèce de truc couvert, en fait, avec des trous, voilà. Donc, c'est des arches ou... C'est du bois qui recouvre une terrasse avec des trous. Voilà, c'est à peu près ça l'idée qu'il faut retenir. Je saurais même pas dire, Vinès. J'ai même pas la bonne définition en tête. Bref, du coup, voilà, on prolonge des poutres de bois qu'on prolonge dessus les piliers. Et c'est par-dessus ces piliers-là, on va mettre des pouf, pouf, hop, d'autres poutres qui vont traverser vraiment leur structure, qui vont venir, voilà, mettre de l'ombrage, on va dire, à l'espèce de petite terrasse qu'il va y avoir ici. Ok, donc, on va faire la pergola qu'il va y avoir sur le deuxième toit. Alors, le deuxième toit, on va faire le dessus tout de suite, comme ça, ça sera fait. Alors, le toit, on va le faire avec des escaliers, avec des dalles de grès, ok, avec du grès poli aussi. Alors, pourquoi des escaliers? On va venir mettre des escaliers comme ça à l'envers sur tout le contour de notre toit ici. Voilà, hein, pour faire un truc comme ça. Et du coup, on va aussi prendre les dalles en grès pour les mettre sur le côté en fait de notre mur. Parce que vous voyez là, il n'y a que des murs en grès poli et d'un seul coup, il y a du grès normal. Donc l'idée, c'est qu'on va venir voilà, mettre des dalles ici comme ça pour faire du relief. Alors, une fois qu'on a ça, on va juste faire notre pergola aussi sur le dessus du toit ici, c'est-à-dire qu'on va mettre des blocs voilà, de grès espacés de blocs chaque, voilà, sur trois blocs de long, de chaque côté du coup de notre toit, pouf, comme ça, on va les faire à combien? 4 blocs de hauteur, quelque chose comme ça, hop, 4 blocs de haut, hop, voilà. Une fois qu'on a ça, du coup, on va venir prendre nos blocs de bois de sapin, nos dalles de bois de sapin, et on va venir mettre des poutres sur tout le dessus des blocs qu'on vient de mettre, des piliers qu'on vient de mettre, voilà, hop, et on va venir faire après traverser d'autres poutres de bois en dessous qui vont du coup être tenues par l'espèce de poutres qu'on a mis ici, donc des poutres comme ça, voilà, hop. Hop, ici il va falloir prolonger d'un bloc et on fera une autre poutre. Hop, comme ça, vous voyez. Et évidemment, pouf, 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 on prolonge ici aussi. Et vous voyez, on a une petite pergola structure au niveau du dessus de notre maison, palais. Et c'est plutôt sympa. Alors, bah maintenant, du coup, on a quasiment fini la structure. En fait, il nous suffit juste de faire un autre truc pour vraiment finir la structure. Et on passera vraiment aux détails, ce qui va être un peu plus long. C'est les escaliers qui vont venir sur notre façade. Ici, vous voyez, il y a un petit décalage entre notre mur ici et notre mur ici, ça va nous servir pour faire des escaliers tout simplement. Alors il va falloir se
trouver là où est-ce qu'il y a donc les trous pour rentrer. Donc à ce niveau-là, on va faire des escaliers ici comme ça. 2, 3, 4, 5, ok. Sur deux blocs de large. Hop. Et on va venir agrémenter ces escaliers-là d'un mur qui va venir tout sur le côté. Hop, 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 voilà. Ok, donc on fait ça de l'autre côté aussi. Pouf. Alors, une fois qu'on a notre escalier ici à ce niveau-là, eh bien il ne nous reste plus qu'à faire les trous pour les portes et les fenêtres dans la structure du bâtiment. Alors je vais essayer de me rappeler de tous les portes et toutes les fenêtres qu'il y a, parce qu'il y en a un sacré paquet quand même dans notre balai ici. Donc bon, je vais essayer de me rappeler de tout ça. Ici du coup sur la façade principale, on va mettre une porte en plein milieu comme ça. Sachant qu'il n'y a pas de milieu en fait, on va mettre un truc de 3, parce que c'est un impair. Et on va laisser, hop, une ouverture de 2 blocs comme ça sur chaque côté. Ok, donc 3 blocs de hauteur. Au niveau du dessus, l'étage du dessus, on est à ce niveau-là. Donc on va faire, si je me souviens bien, des ouvertures de 3 blocs de large de chaque côté. Ouais, c'est ça. Donc on fait des ouvertures de 3 blocs de large sur 2 de haut, sauf au milieu. Vous voyez, donc là on fait toute une grande fenêtre ici comme ça. Sauf au milieu, là où on va ouvrir ici. Et on va venir mettre des escaliers en grès, pouf, sur le côté du balcon. Pour faire un peu un balcon, justement une estrade de bienvenue, ce genre de choses. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir sur le côté ici. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, il faut trouver le milieu. Il est là, le milieu, normalement. Donc, on va ouvrir le milieu sur 4 blocs de hauteur, sur 4 blocs de largeur. D'accord. L'étage du dessus, il va se venir à ce niveau-là. Donc, avec des fenêtres en carré ici, comme ça. Pareil au niveau du dessus, donc ici normalement, hop, et hop, ok, donc avec 3 blocs d'écart entre les deux fenêtres, hein, toujours à un bloc de marge par rapport aux étages, hein. Hop, donc voilà. Alors l'autre côté du coup, cette partie là de la maison, on va faire comme là-bas, une ouverture ici au centre de 4 blocs de large, hop. On va pas faire sur 4 de haut, on va faire sur 3 de haut. Et on va faire une fenêtre au premier étage aussi du coup, qui va faire la même largeur, ok, sur 2 blocs de hauteur. Voilà. Donc ici on en a fini avec cette façade là, je vais aller sur le côté du bâtiment, à ce niveau là. Et juste pour finir, pour faire ce bâtiment là, il va falloir faire l'espèce de petit promontoire que j'ai mis devant. C'est à dire qu'il va falloir augmenter la taille des piliers ici jusqu'à 5 blocs de hauteur. Ok, hop, 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 et on va faire, hop, vous voyez, tout simplement, on va prolonger l'étage directement avec ces piliers-là. Donc voilà, on met le sol et on va ouvrir les parties de notre étage directement sur cette terrasse. C'est-à-dire qu'on va faire, en plein milieu, hop, une ouverture comme ça sur, voilà, 3 blocs de large sur, allez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de long en plein milieu, hein, ok. Attendez, je vais vérifier quand même par rapport à mon modèle, parce que je me rappelle pas de toutes les dimensions de tout à chaque fois. C'est bien de 5 blocs de large ici, d'accord, en plein milieu du coup. Ok, donc c'est pas 6, c'est 5 blocs. Hop, hop. C'est-à-dire qu'on va remettre un coup ici. Et normalement, on est au milieu du truc. Ok. Bon, on va laisser une fenêtre de 3 blocs ici. Et une fenêtre de 3 blocs ici de l'autre côté. En laissant 2 blocs de marche par rapport au bout du mur. Ok. Et donc, on fait les mêmes trous comme ça. Au niveau du dessus, sauf que cette partie là ça va être une fenêtre, hein, donc on va boucher le partie du dessous pour les autres étages, d'accord, voilà, comme ça, hein. Mais évidemment cette partie là on la laisse ouverte. Alors pareil au niveau du dessous, hein, du coup on reprend les mêmes largeurs que les fenêtres du dessus. Hop, ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, on ouvre tout ici aussi et on laisse, hop, une ouverture comme ça aussi, bien sûr. Voilà. Alors on va quand même compléter notre petite terrasse à ce niveau là c'est à dire qu'on va mettre des blocs de grès poli ici et ici, et on va utiliser du coup des escaliers en grès
pour les mettre comme ça. Hop, hop, ok. Voilà, et une fois qu'on a ça, bah du coup on va pouvoir utiliser les dalles hop, de grès et on va les mettre du coup ici comme ça sur le la position haute des de notre hop voilà jusque ici hein, de notre terrasse ici comme ça. Alors c'est une ligne de blocs qui va se prolonger après sur cette façade là, mais je l'ai pas encore commencé, donc on va arrêter là. Alors une fois qu'on bah, on va passer à cette partie là aussi du coup, partie dont je me souviens pas grand chose, on va ouvrir au niveau du sol sur toute la largeur à ce niveau là, ok, on va ouvrir, hop, des comment ça s'appelle, des fenêtres ici, on va peut-être mettre que sur 3 blocs du coup de hauteur au niveau du centre, hein. Hop, puis des fenêtres ici comme ça, ok, donc pareil au niveau du dessus. Hop, on va ouvrir complètement ici puisqu'il va y avoir une espèce de terrasse ici aussi. Hein. Hop, on va faire évidemment les fenêtres sur le côté comme ça. Ok, donc quelque chose comme ça. Et au niveau du dessus encore, on va laisser 3 blocs de marge à chaque fois. Et on va mettre... Voilà, nos fenêtres comme ça tout simplement. Ok. Si je me rappelle bien, en tout cas, c'est comme ça qu'il me semble que je les ai fait. Non, j'avais mis que 2 fenêtres. D'accord, ok, j'avais mis que 2 fenêtres au lieu de 3. Hop, donc on va rectifier ça. Pouf, pouf. Ok, comme ça, on va faire un truc comme ça plutôt. Voilà, un peu la façade. Du coup, on va venir sur ce côté-là de la maison. Et on va laisser complètement ouvert ici. Voilà, comme ça. On va faire en dessous une petite fenêtre de 4 blocs. Ok. Ici, on va faire une ouverture. Voilà, de 3 blocs de haut sur 3 de large. Et ici, du coup, on va rajouter aussi une fenêtre et une autre là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout l'intérieur ici aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire comme ici, vous voyez, des ouvertures de 3 de haut sur 3 de large. Entre les espaces des piliers ici, vous voyez. Donc, ici, là, vous avez 3 blocs de marge. On les projette sur le mur et ça donne quelque chose comme ça. Et on fait ça sur toute la rangée, hein, c'est-à-dire, hop, hop, vous voyez, on prend la largeur ici, on la prolonge sur le mur. Hop. Voilà. On fait des ouvertures comme ça, voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, on va reprendre la même ouverture que de l'autre côté là-bas, à ce niveau-là. Donc, comme ça. Ici, sur le côté, on refait une ouverture comme ça. Et ici, du coup, alors, je vais peut-être finir sur cette façade-là. On va remonter ici, on ouvre complètement sur cette partie-là. Ok, donc avec juste un pilier d'écart avec le passage ici. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va passer sur notre façade à ce niveau-là. On va ouvrir sur 3 blocs ici. Hop, des fenêtres de chaque côté. Ok, la même chose ici. Hop, hop. Alors non, ici on va même ouvrir sur 3 blocs aussi à ce niveau-là, hein. Même 4 blocs au-dessus. Voilà, donc on va faire complètement une grande ouverture à ce niveau-là. Ok. À ce niveau-là, du coup, ce sera la partie la plus simple, enfin, du bâtiment. Si je me souviens bien, alors du coup, là, je m'en rappelle plus, c'est y a beaucoup de fenêtres hein, dans cette maison. Donc, ce sont des glaces de 3 blocs de large, très bien. De 4 blocs de large, pardon. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir, ici, laisser 2 blocs de marge par rapport au bout du mur, et on va venir faire des fenêtres de 4 blocs de long. Hop, on laisse 2 blocs, 1, 2, 3, 4 blocs de fenêtres, et voilà. Hop, hop, voilà tout simplement, on fait ces mêmes trous là au deuxième étage. Et une fois qu'on a ça du coup, on va finir nos ouvertures avec la partie du dessus ici, qui pour l'instant, vous voyez, n'a toujours pas d'ouverture. Alors l'idée c'est qu'on va venir mettre une grosse entrée ici comme ça, ok. On va mettre des ouvertures ici de un seul bloc de large comme ça, ok. Ici du coup, on fera... Alors, on va tester différentes choses. Voilà, des fenêtres de 2 blocs de large à chaque fois. Ok.
Ouais, on va faire un truc comme ça ici aussi. Et ici, du coup, on refait comme l'autre côté. Voilà. Avec des fenêtres qui sont assez grandes, assez larges. Donc voilà, pour l'instant, on a enfin, du coup, toute notre structure qui est vraiment faite, à l'exception de quelques préaux et quelques terrasses que je vais faire, du coup, avec vous. C'est-à-dire, vous voyez, la petite terrasse qu'il y a à ce niveau-là et le truc suspendu ici. Donc, il va falloir faire ça. L'idée, c'est, du coup, on va venir faire une espèce de... À ce niveau-là, du coup, une espèce de prolongement à ce niveau-là de trois blocs de longueur. Ok, on prolonge par des piliers, hop, sur les côtés. Voilà, on met une ligne de blocs ici et là, et avec les escaliers en sandstone, du coup, en l'escalier en grès, on va les mettre pouf pouf ici comme ça, hop, hop, hop. Hop, voilà. Voilà. Alors du coup, on va aussi rajouter sur le dessus des blocs de grès poli ici comme ça, et on va rajouter des escaliers en sandstone entre chaque. Paf, 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 paf. Ok. Et puis ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste pas mal de choses. L'idée, c'est qu'on va venir agrémenter nos différentes fenêtres. On va agrémenter nos différentes fenêtres de différentes façons. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux styles de fenêtres dans notre maison ici. On va utiliser les escaliers et les dalles de bois de sapin, ok? Et on va faire notre partie centrale en tout premier lieu. Notre partie centrale, ce qui va faire qu'entre les piliers ici, comme ça, on va mettre des dalles, des escaliers, pardon, de sapin comme ça, entre les coins, pour faire un peu des colonnes finalement qui seraient agrémentées de bois. Donc habituellement, les colonnes, on les fait dans le même style, enfin, on les fait avec le même matériel que le colonne elle-même, c'est-à-dire on aurait dû faire ça en sandstone normalement, mais là, c'est volontairement que j'ai mis du sapin pour pouvoir avoir un contraste de couleurs. Ok? Donc les ouvertures à ce niveau-là, du coup, on va les faire pouf comme ça et comme ça pour avoir un peu une forme d'escalier un peu bizarre comme ça. Et on les fait sur toutes les ouvertures de ce côté-là. Ok, voilà. Et ce sur toute la longueur. Ok, voilà ce que ça donne, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va aussi rajouter la même chose au niveau des piliers qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire que on va faire des trucs comme ça, paf, paf, paf. Paf, voilà, paf, paf, on va mettre des escaliers à l'envers aussi, histoire d'agrémenter, de donner un petit peu de couleur à la chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir un palais moitié bois, moitié sandstone, quelque chose comme ça. Et vous voyez, on va faire un truc comme ça. Hop! On va même rajouter des demi-blocs, vous voyez, donc des dalles de bois entre les panneaux. Hop! Histoire de rajouter encore plus de couleur aux choses. Et l'idée, c'est que on va prolonger ici. Vous voyez, avec ces espèces de grandes ouvertures là comme ça, on va mettre des escaliers ici comme ça aussi, avec des demi-blocs. Ici, ça va être une fenêtre du coup. Et ici, je sais plus. Voilà. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire, youp, ici du coup, paf, 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 paf. Ici, la même chose. On va faire des ouvertures comme ça. Hop, hop. Alors, je casse tout, c'est pas bien. Pouf, pouf. Ok. Alors, voilà. Ça, c'est pour donc les parties en bois. Mais on va quand même prolonger l'histoire. C'est-à-dire qu'on va mettre des. On va prendre des blocs de grès. Ok, comme ça. Et à partir de ce pilier-là, en fait, on va prolonger le mur sur trois blocs de large. Ok, comme ça. On va venir ici jusque sur le côté de cette fenêtre là, et on va venir mettre un mur qui va faire ça un peu, vous voyez, histoire de séparer un peu, bah, la partie terrasse de la partie intérieure vraiment de la maison. Hop, ok. Et après, on va pouvoir mettre des portes aussi dedans et tout ça. Voilà, genre ici, on va pouvoir mettre des portes. Hop, hop, voilà. Alors, l'idée maintenant, c'est qu'on va utiliser notre ouverture qu'on a ici et on va la prolonger avec des dalles de sapin. C'est-à-dire qu'on va venir ici prolonger le pilier ici, hop, sur trois blocs, et on va venir, voilà, mettre des blocs complets, ok, comme ça. On va venir mettre
une espèce de plateforme comme ça par-dessus tout ça, comme ça du coup, ok. Et on va venir utiliser les escaliers, pas du tout, les barrières en bois de sapin comme ça, et on va venir les prolonger comme ça ici, hop 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 hop, sur toute la longueur de notre plateforme et jusque dans notre creux ici. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir prolonger les barrières à ce niveau-là, sur 3-4 blocs de hauteur. L'idée c'est qu'on va venir prolonger le toit ici comme ça aussi, donc un truc comme ça. Voilà, donc voilà, sur le côté ici aussi, ok, comme ça. On va venir prendre aussi les barrières de bois de sapin comme ça, et on va venir les prolonger ici aussi comme ça, hop. Alors peut-être ici, voilà, ça colle, hop, et puis voilà. Et puis ça nous fait une petite promontoire très 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 sympa. Là honnêtement, il y a du style. Là c'est bon, là on aime bien. Alors l'idée c'est qu'on va venir aussi rajouter du coup du grès, pouf, pouf, devant notre ouverture à ce niveau là. Et qu'on va mettre des escaliers, paf, 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 pour faire un truc un peu pété, tu vois. Un peu stylé quand même. Voilà, donc maintenant il va falloir rajouter énormément de détails au niveau de la sandstone en elle-même, parce que regardez, surtout la façade, voilà, sur les ouvertures des fenêtres ici, vous avez des escaliers, des dalles au-dessus, en dessous, vous avez toute une ligne de demi-blocs comme ça qui se prolonge sur toute la longueur de la façade, et donc à partir de maintenant, ça va être surtout des choses comme ça, du détail en demi-blocs de sandstone qu'on va mettre vraiment partout, ou presque, hein, vraiment. Donc je vous inviterai à prendre vos escaliers ainsi que les dalles de sandstone, dalles de grès, pouf, comme ça, et on va en foutre partout. C'est-à-dire qu'on va prendre les dalles de sandstone et on va les mettre ici, hop, sur la longueur, et on va prolonger, hop, par devant, comme ça, hop, voilà, comme ça, donc on rejoint la ligne qu'on avait fait en bas. On va utiliser aussi les barrières de bois qu'on va mettre, hop, ici quand même, il n'y a pas de jaloux. Alors du coup, oui, le mur qu'on a fait à ce niveau-là, hein, vous voyez, on va le mettre aussi, si j'arrive à sortir, on va le mettre aussi de l'autre côté ici. Voilà, alors, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est que vraiment, on va mettre les détails en sandstone partout, c'est ça que je le dis à chaque fois, mais l'idée, voilà, on va prendre une fenêtre. Celle-là par exemple, on va venir mettre une ligne d'escalier en sandstone en dessous et une ligne de dalle au-dessus, ok. L'idée c'est qu'on va faire ça pour toutes les fenêtres, pour celle-ci aussi. Donc vous voyez, je rappelle, hein, hop, des escaliers en dessous, des dalles au-dessus, et on va faire ça pour toutes les fenêtres qui restent de la maison, ok. Voilà, alors je pense que j'ai pas oublié de fenêtres en particulier. Il y a certaines fenêtres qu'on ne va pas mettre d'ornementation autour, hein. C'est par exemple ces fenêtres-là, ok. Et d'autre côté, on n'en mettra pas. Sur les fenêtres qui contiennent déjà des trucs en bois, on ne fait rien évidemment, on les laisse telles quelles, elles sont finies. Et donc vous voyez, tout ça, on les a fait aussi. Les fenêtres par contre qu'il y a sur cette petite structure qu'il y a sur le toit, on ne fera rien dessus pour l'instant, ok. Et... du coup, au niveau de cette porte là, on va juste rajouter, hop, une ouverture comme on a fait de l'autre côté, c'est à dire avec des blocs sur le côté et des escaliers par dessus pour faire un truc un peu classe, vous voyez. Ainsi que de l'autre côté, on va mettre une structure en bois, hein, au dessus de cette porte là, ok. C'est à dire qu'on va utiliser les barrières de sapin ainsi que les dalles de sapin, et on va venir comme ça, hein, mettre une structure autour de la porte, une sorte de pergola, pouf, mais ça sera pas une pergola, je sais pas comment on pourra appeler ça. Hop, on va mettre des dalles comme ça qui vont venir par-dessus les piliers, comme ça, et puis on va venir mettre des dalles, hop, ici, pouf, 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 pour faire une petite structure au niveau de l'entrée, voyez, un truc sympa. Ok, donc, là c'est pareil, il y en a mis partout, ici aussi, donc voilà, normalement c'est bon. Une fois qu'on a ça, du coup, on va mettre aussi les vitres à l'intérieur des fenêtres, ce serait pas mal, hein. Donc voilà, les vitres fines comme ça, on va mettre dans toutes les fenêtres. Donc les fenêtres, c'est tout simplement
les trous dans les murs où il n'y a pas, qui ne sont pas reliés au niveau du sol, là du coup ce sont les portes hein, tout simplement. Donc voilà, tous les vitres comme ça, bouffe toutes les fenêtres, on va mettre des vitres dedans sur tout le long de la maison. Voilà, alors il me semble que j'ai pas oublié de fenêtres à l'intérieur, donc normalement j'ai mis du verre partout où il aurait fallu. Donc il y a énormément d'ouvertures hein, partout dans cette maison, voilà, c'est open bar, hein, c'est un vrai moulin, mais moi j'aime bien ce genre de maison où tu peux passer voilà, partout, etc. etc. On va rajouter quelques finitions quand même au niveau de la maison avant de passer au petit jardin, parce que qui est très très simple. On va utiliser du coup les barrières de bois comme ça, comme on les a utilisées depuis le début. Et on va venir sur cette partie-là de la maison, du coup, les mettre dans les creux à côté de l'ouverture ici. Voilà, les mettre sur le côté de notre pergola. Ici, comme ça, ok. On va prolonger aussi les escaliers, pas du tout, les barrières sur le devant de notre balcon de l'entrée. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre? Tiens, j'ai mal placé mon escalier ici, paf. Voilà, après, il y a beaucoup, beaucoup de petits détails, en fait, dans cette maison-là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va quand même mettre de la lumière hein, dans la maison. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. On va mettre de la lumière et on va mettre les escaliers aussi après. Pouf, on va prendre des torches et on va les camoufler un petit peu les torches. C'est-à-dire qu'on va les mettre à des endroits normaux. Ici, par exemple, sur notre préau, on va les mettre ici sur les bords des trucs. On les accroche au niveau des piliers. On les accroche, voilà, entre les piliers ici, vous voyez. Hop. Donc même la position des torches, le positionnement des torches peut être intéressant et réfléchi. Ok. Donc plutôt vers l'intérieur de la maison aussi, tu vois, boum, boum. Donc vers voilà l'intérieur ici comme ça. Et c'est vrai qu'en pleine nuit, la maison ressort vraiment bien quand elle est bien éclairée. Hop, hop, vous voyez, donc à côté des fenêtres aussi comme ça. Voilà, donc ici, elles sont éclairées, très bien. On peut les éclairer au niveau du dessous aussi, donc rajoutant, hop, hop, voilà, des torches ici comme ça, la même chose de l'autre côté. Ok. Et donc ça fait encore des petits points jaunes aussi quand, sur la façade du bâtiment, ce qui rend encore mieux. Alors, ici, il y a juste un petit truc stylé que j'avais envie de rajouter sur cette façade-là. On va utiliser les dalles de sapin et on va les mettre ici, comme ça. On va les mettre de deux blocs de longueur, donc un bloc plus un demi-bloc, et on les met entre les ouvertures ici, comme ça, pouf. Et par-dessus ces machins, on va rajouter hop, 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 des torches tout simplement, donc des trucs pour éclairer, et ça donne un petit, c'est le petit, la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, la petite cerise qui fait déborder le gâteau, comme dirait le cœur bloc, et ça fait vraiment sympa, honnêtement. Du coup, voilà, je pense que j'ai rien oublié, si ce n'est bon l'éclairage au niveau de cette partie-là, on l'a pas fait, mais voilà, faudra mettre de l'éclairage tout simplement, je vais en mettre aussi sur la façade, hop, voilà, donc entre les entrées évidemment. Pouf, pouf. Voilà, l'idée c'est que les torches sont aussi des éléments de décoration à part entière. Et pas que des trucs pour faire de la lumière. Parce que quand on s'éloigne et qu'on regarde les torches, bah finalement ça fait des petits points sur la façade, ça fait sympa. Alors, on va rajouter aussi des portes quand même au niveau de l'entrée. Hop. Et hop. Tiens, j'ai oublié des blocs. Ok, donc, eh bien, on est plutôt bon. Une fois qu'on a fait ça, on va faire notre petit salon dans, enfin, dans notre petit jardin, pardon, qui va être ici, du coup. Alors, l'idée, c'est qu'on va faire des palmiers, hein, parce qu'après tout, on est sur un palais arabe, un mini palais arabe, en tout cas, et on va faire des palmiers pour, ouais, pour faire ressortir le côté chaud, tu vois, de la chose. Alors, on va, voilà, prendre des escaliers. On va prendre des blocs d'herbe, on va prendre des blocs de feuilles d'acajou. J'ai viré les escaliers. Bon, ok, il va falloir que je les reprenne. Hop. Voilà, donc des escaliers, des feuilles et de. Voilà, de la barrière, hein, tout simplement. Ok, et l'idée c'est qu'on va venir faire un petit pot de fleurs ici, là, par exemple, sur le coin de la maison. Hop. Hop. En escalier qu'on va faire comme ça, tu vois, un trou, pouf, tout en escalier. Au milieu, on met un bloc d'herbe
Et par-dessus ça, on rajoute de la barrière d'acajou sur 5-6 blocs de haut. Voilà, un truc comme ça, hein, assez haut quand même, hein, histoire d'être à peu près au niveau du deuxième étage. Et à part-dessus ça, on va mettre une coupole de feuilles qui va nous permettre de faire un petit palmier, tout simplement. Pouf, pouf, voilà. Hop, on rajoute les feuilles à la main, c'est pas bien compliqué. Hop, un truc assez petit, hein, parce que si vous faites des feuilles trop grandes, j'ai remarqué, ça fera moins bien. Hop. Voilà. Regardez, ça fait un palmier sympa, hein? Ouais. Alors l'idée c'est qu'on pourrait rester dans le même ton de couleur que le reste des escaliers ici. Je remarque en fait que les barrières d'acajou sont pas tip top. Je vais plutôt les mettre en barrière de bois classique, hein. Les barrières de bois. Hop, 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 de chêne. Voilà. Ça rend peut-être un peu mieux. Ouais. Donc on fait la même chose de l'autre côté de la maison ici, hein. Paf! Voilà. Alors, vous voyez que là, ça commence à prendre de la tronche quand même. Notre maison, elle commence vraiment à être pas mal du tout. On va quand même l'agrémenter d'une petite piscine, vous voyez, parce que là, ça fait tellement classe, une piscine entre les deux palmiers, là, comme ça. Dieu, enfin, oui, les deux machins. Ah là là. Ça fait tellement bien. Donc, on va faire ça et on va faire ça tout simplement en grès. Voilà, on va creuser à partir du côté, voilà, des palmiers ici, comme ça, sur la longueur. On va faire, je sais pas combien de blocs de longueur. Allez, on va faire à peu près ça. Je sais pas du tout combien ça fait en vrai. Je vais vous dire, donc 2, 3, 4, 16 blocs de longueur. Ok, donc 16 blocs de longueur sur je sais pas combien de large. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 par 16, très bien. Et l'idée, c'est qu'on va venir creuser une piscine comme ça. Hop, voilà. Hop. Une piscine comme ça, du coup, de 9 par 16 sur 3 blocs de profondeur. Voilà. Bon, j'ai fait 4, mais c'est pareil. On va tout simplement tapisser le fond avec de la grès et on remplace le côté par de la grès aussi, hein, pour avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Alors, on va juste mettre une petite marche pour rentrer dans la flotte avant de mettre de l'eau. On va prendre des dalles et on va mettre ce bloc-là, vous voyez. On va le remplacer par de la demi-bloc. Et on va aussi rajouter des éclairages à l'intérieur de l'eau parce que c'est vrai que ça fait mieux quand même. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre des lanternes de la mer, des lanternes aquatiques, et on va les mettre dans voilà, dans les murs, hein, tout simplement, l'espace de, allez, 3 blocs chaque. Pouf, pouf, voilà. Et on fait la même chose de chaque côté, évidemment. Voilà, pouf, pouf. Une fois qu'on a mis tout ça, eh bien, on va mettre de l'eau, hein, tout simplement. Pouf! Et voilà! C'est pas beau. Honnêtement, notre maison, elle est finie. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis les escaliers. Et puis voilà, vraiment, c'est une petite maison, je l'ai fait super vite, honnêtement, je l'ai fait plus vite que j'ai fait le tutoriel, parce que je sais pas, j'ai été énervé, et donc je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment sympa. Elle est vraiment vraiment sympa. On peut même, et là je vous rajoute un petit bonus, on peut même rajouter au niveau de cette façade-là des petits blocs au niveau du milieu des dalles, voilà, comme ça, pour faire un peu un chapiteau, et ça rend encore mieux quand tu t'éloignes, tu vois, ça fait encore plus luxe. Voilà, donc j'en ai fini. Je vais vous montrer quand même où est-ce que j'ai mis les escaliers, les accès, tout ça. Et sinon, la maison est finie. Alors, où est-ce que on a mis les accès? Je vais vous montrer. Youp. Donc, quand on va au sol pour accéder à l'étage du dessus, on peut utiliser évidemment les escaliers sur les côtés. Ok, évidemment à l'entrée de la maison. Ok. Et ici, du coup, j'ai mis. Alors, il y a un escalier de chaque côté, hein, mais sur le côté ici, j'ai mis une rambarde en bois avec un escalier, voilà, en grès tout simple, pour aller à l'intérieur de cette partie-là de la maison, hein, vous voyez, c'est celle qui surplombe le toit. Et du coup, un escalier un peu de la même façon pour aller sur la partie avec le toit tout plat. Ok? Voilà. Donc l'idée, c'est de voir une rambarde avec du bois, comme on les utilise depuis tout à l'heure. Évidemment, voilà, des barrières autour pour éviter de se péter la tronche.
Voilà pour ce côté-là de la maison. Et évidemment, de l'autre côté de la maison, hop, boing, boing, boing. Il y a une petite différence, c'est que la partie du coup ici là de la maison, pour y accéder, elle est un peu particulière puisqu'elle est plus petite que l'étage du dessous et que du coup au niveau de l'escalier, ça décale par rapport au mur. Vous voyez? Ça décale par rapport à ici et donc du coup bah, j'ai laissé un escalier sans rambarde pour éviter d'avoir des problèmes de part et d'autre. Et on arrive ici sur cette partie-là de la maison et sur notre petite pergola. Voilà. Et c'est stylé. Moi j'aime beaucoup cette maison. Je suis à fond sur la sandstone en ce moment sur mes tutos, mais c'est pour le bien, hein, vous voyez quand même c'est une bonne tronche, donc c'est pour le bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Je serai pas en live cette semaine. Donc demain, normalement, lorsque vous regarderez la vidéo, je ne serai pas en live parce que je serai en déplacement. Voilà, je ne pourrai pas venir. Sur ce, très bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine!